Bonjour à tous, une mini vidéo pour vous montrer mes derniers petits achats de chez Yves Rocher. J'ai vraiment pas acheté grand chose. J'y ai été pour me trouver des produits pour mes cheveux parce que il y a déjà un petit temps de ça, je vous en avais parlé. Je voudrais retirer tout ce qui est silicone, sulfate, comment on appelle ça, alcool, tous ces mauvais produits qu'on trouve dans les shampoings de grande surface. Parce que j'ai le dessus de ma tête qui regresse, mais c'est juste une catastrophe. L'impression d'avoir été mettre sa tête dans la friteuse, donc forcément, c'est pas possible. Moi, je me lavais les cheveux tous les deux jours. Entre deux, obligé de mettre du shampoing sec parce que c'était juste pas possible. Donc là, il fallait vraiment faire quelque chose. Et puis j'arrivais à la fin de ma couleur. Donc en général, quand je refais une couleur, ça les aide entre guillemets un peu. Pendant les premières semaines, j'ai moins cet effet gras. Et puis alors donc là c'était la bérésina totale plus cet été où j'ai été à la mer et que je me lavais les cheveux tous les jours. Donc là vraiment j'avais mis toutes les chances de mon côté pour me retrouver en graisse. Ce que je supporte absolument pas. Donc là au retour des vacances, j'ai pris cette décision là de passer au shampoing plus naturel, dirons-nous. Là j'ai été chez Yves Rocher parce que j'en ai pris un autre que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Un autre bio aussi, mais il mousse absolument pas et psychologiquement c'est pas évident, en plus en sachant très bien que le premier mois où vous utilisez des produits comme ça plus clean, le temps que vos cheveux s'habituent, le premier mois ça regresse quand même beaucoup. Il y a une période d'adaptation puisque forcément il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'alcool qui l'air de rien, on va dire des mots un peu forts, mais grille votre cuir chevelu et donc la sèche à fond. Donc, mais ça reste illusoire, et moi la preuve en est puisque sur le coup vous sortez de la douche, vous avez les cheveux propres, et puis le lendemain jour catastrophe. Donc je sais très bien que là je vais passer par une période de transition, mais c'est un mal pour un bien, il faut le faire. Donc résultat, j'ai été me chercher ce shampoing là parce que pour alterner avec l'autre qui mousse absolument pas, donc comme ça sera moins dur au niveau de la transition. Celui-ci donc c'est le shampoing purifiant sans silicone, sans parabène, sans colorant, le Pureté, donc cheveux gras à l'ortie, de chez Yves Rocher puisque c'est un mini haul Yves Rocher. Et donc je l'ai déjà testé deux fois, donc il mousse pas autant qu'un shampoing classique, j'ai envie de dire, mais il y a quand même une partie mousse. L'odeur, elle est pas désagréable, ça va. Par contre, j'aime pas les bouchons comme ça, parce qu'à chaque fois, avec mes grands ongles, j'ai toujours peur de me les péter. Ça sent franchement l'ortie, donc si vous n'aimez pas l'ortie, passez votre chemin. Mais ça va, ça reste pas, l'odeur ne reste pas dans les cheveux. Donc qu'est-ce qu'ils nous en disent? Vos cheveux regressent trop vite. Ah oui. Purifiez-les des racines aux pointes grâce à ce shampoing à l'ortie aux vertus anti-séboriques. Issus de l'agriculture biologique, transformés, ils sont légers et soyeux, propres plus longtemps, éclatants de beauté. Appliqués sur cheveux mouillés, rincez abondamment. Moi j'ai pas trouvé qu'il était aussi difficile que ça à rincer, ça va. Donc pour l'instant, je suis en train de le tester, les effets anti-gras se feront sur plus long terme. Donc ça, je pense que je vous en reparlerai d'ici un bon mois, j'aurai vraiment eu le temps de le tester, de vous dire si j'arrive à espacer mes shampoings, j'arrive à avoir des cheveux plus sains, parce que là, très concrètement, c'est l'horreur. Et donc toujours dans cette optique de cheveux plus légers, plus lumineux et surtout moins gras, j'ai pris le vinaigre de rinçage, donc sans silicone, sans parabène, qui se présente comme ceci. Donc c'est le Éclat Radiance, tout type de cheveux. Alors au départ, je m'étais dit, je vais peut-être le transvaser dans un autre flacon, genre flacon spray,
Puis en fin de compte, ça va parce que ça coule, mais ça coule pas trop fort. J'avais peur vraiment que en moins de deux, la bouteille elle soit finie. Mais ça va, le compte-goutte, voilà, si vous mettez bien au niveau des racines, vous allez vraiment en avoir juste une quantité délivrée, ça va. Donc ils nous disent retrouver des cheveux ultra brillants grâce à cette recette au vinaigre de framboise, aux vertus anticalcaires et lissantes des écailles, à répartir sur l'ensemble de la chevelure avant la dernière eau de rinçage, rince abondamment. Et c'est pareil, je suis anti-vinaigre, hein, moi j'aime pas ça. Et ça sent absolument pas le vinaigre, ça sent vraiment bon la framboise, c'est très agréable comme odeur. Donc ça, je l'ai pas encore testé, mais encore une fois, je vous en reparlerai. Et puis bah comme d'hab, hein, je vous mettrai les prix en dessous. Parce que ça, j'ai profité d'une offre 50%. Et j'avais donc des petits cadeaux en fonction de mes achats. Parce que j'avais deux cartes, donc je les ai mises sur chaque produit. Donc un petit carnet comme ça. Tout simple, avec des pages blanches. Il n'y a pas de rayures. Un agenda comme ceci, avec un petit élastique. Et puis voilà, je présente comme ça. C'est toujours sympa à mettre dans le sac à main quand on veut noter un petit quelque chose. Parce qu'il est vraiment petit, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Donc pas mal. Il y avait un stylo aussi normalement, mais ils n'en avaient plus, donc ils n'ont pas pu me donner. J'ai eu aussi un shampoing brillance intense, cheveux ternes à l'huile au calendula. Donc brillance. Donc c'est encore dans leur gamme de shampoings, ça j'ai jamais testé, donc bon, c'est bien, comme ça va pouvoir me permettre de voir un petit peu ce que ça vaut. Ensuite, une petite eau micellaire hydratante 2 en 1, hydra végétale. Moi j'avais eu la verte que j'avais adorée, que l'odeur était vraiment super. Là je vais pas l'ouvrir parce que j'ai deux eaux micellaires, enfin, trois eaux micellaires, deux eaux micellaires et une lotion que j'utilise en ce moment. Mais ça c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo parce que faut que je vous en parle. Donc voilà, donc hâte de tester. Et pour finir, un gommage éclat fraîcheur, donc dans la même gamme que donc c'est Hydra Végétal, en 30 ml, sève végétale hydrocaptrice, comme ceci. C'est pareil, j'ai pas encore testé, donc bah, je vous en parlerai une fois que je l'aurai testé. Mais j'aime bien tous ces petits produits-là de chez Yves Rocher, donc je pense que ça va être pas mal. Voilà ce qui conclut ce mini haul. Retour sur les produits cheveux gras. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous comptez passer au shampoing plus clean. Parce que ben voilà, de toute façon, ça peut pas faire de mal à vos cheveux. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.